Oh, Nancy. Nancy, elle est formidable. C'est une personne qui a un sens d'éthique de travail qui est extraordinaire, vraiment. C'est une personne qui comprend vraiment qu'est-ce que c'est la justice sociale. Alors, Nancy est une personne très intègre, très passionnée de ce qu'elle fait. Et c'est une personne qui est facile d'approche. Alors, c'est une personne pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Et je suis sûr que beaucoup de ses collègues ont beaucoup d'admiration. Elle a tellement de grandes connaissances au niveau des pharmaciens, de la médication, que on peut lui demander n'importe quoi, elle va nous dire tout de suite la réponse. C'est vraiment extraordinaire. Nancy, elle travaille fort. Elle travaille très fort. Des fois, trop fort. Mais ce qu'on est certain, c'est qu'elle ne fait rien à moitié. Et moi, je dis ça en tant que psychologue fait à l'extérieur du domaine, mais j'ai l'impression que Nancy a quelque chose de spécial au niveau de ses compétences et ses connaissances dans le domaine de la pharmacie. Je te félicite pour ton prix. Je te félicite pour tout ce que tu as réalisé jusqu'ici et je suis sûr que tu vas réaliser d'autres choses pendant longtemps. N'oublie pas qu'on va faire du overtime encore à ce soir. Je suis très content qu'elle reçoive ce prix parce que c'est vraiment mérité. Et puis, voilà, moi, si j'avais été pharmacien, je lui aurais donné aussi un prix pareil. Nancy, tu es encore très jeune. Tu es essentiellement en début de carrière. Je souhaite que tu continues à démontrer la même personnalité, les mêmes talents dans les 30 prochaines années de ta carrière que tu as montré dans tes premières années. Et puis, il est clair que tu es destiné à faire avancer la pratique des pharmaciens dans d'autres domaines d'ici les 30 prochaines années. Donc, je te souhaite bonne chance et souviens-toi du premier médecin qui a participé à ton embauche à McGill.